Good morning, La France. This is Commander News on Europe 1. Bonjour, Jérôme Commander. Bonjour à tous. Commander News, toute l'actualité. Ouinte de sirop d'érable par Jérôme Commander. C'est lui qui écrit ça tous les jours à 7h25 sur Europe 1. Et ce matin, ce sont donc nos cousins québécois. Quel collabo celui-là. Ce matin, ce sont donc nos cousins québécois qui sont à l'honneur. En effet, Justin Trudeau, le premier ministre canadien en personne, vient clore la série de messages de félicitations destinés au président Macron. Nous appelons donc le 24 Promenade Sussex, la résidence officielle de Monsieur Trudeau. Vous avez demandé le 24 Promenade Sussex. La résidence officielle de Justin Trudeau. Mais qui c'est pour? Jean-Michel, t'as mis ta petite chemise à carreaux? T'as rien en dessous? Monsieur Trudeau? Arrête tes conneries, Jean-Mi. Ça fait trop longtemps que ça dure entre nous, j'en peux plus. J'ai envie de tout larguer. Oh là là. Quand je suis avec ma femme, j'ai la marionnette, on dirait un chamallow dans un saladier à la fin d'un goûter. Oh non! Tout râpe la plat. C'est le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous savez qu'on entend tout, là? Ce week-end, ma femme est chez les siens à Abitibi, Témiscamingue. Du coup, je suis tout seul. On pourra peut-être se voir. On a un chalet sur le lac Winnipeg. La clé sur le rebord de la fenêtre. Dans un petit dauphin en porcelaine. Oh, comme c'est charmant. C'est une ancienne tirelire où il n'y a plus le bouchon. Faut passer le doigt par l'arrière. Je peux pas enchaîner, moi. Monsieur Trudeau, on va raccrocher, hein. Ça devient gênant, là, tout ce qu'on entend. C'est pour toi, Jean-Michel? Mais non! Mais c'est Europe 1, c'est Julie, là. Ah! Je me disais que vous aviez une voix beaucoup plus masculine que lui. Oh, bah, d'accord. Oh, le salaud! C'est pour le message à Emmanuel Macron, c'est ça? Ben oui, c'est ça. Pardon, excusez-moi. C'est un petit quiproquo. Bah oui. T'as bien joué, mon chum de Macron. T'as fait une finale, t'as été cannonball. Avec Bridget, ta blonde, que t'es tombée en amour à high school, t'as rien lâché. Puis au prochain G20, t'auras ton bizutage comme tout le monde. Tu devras pisser dans le sac à main à Merkel. Impossible! Il y a juste cet idiot de Trump qui a rien compris l'autre fois, qui, pendant son bizutage, qui a fait autre chose dedans. Oh non. Mais, comme disait Brassens, quand on est con. Oui, c'est ça. Allez, plein de bec à la France. Merci, Justin Trudeau. Voilà, Jérôme Commander, que l'on retrouvera demain matin, Anissa. Demain, 7h25, bien Absolument. Sûr. Absolument.